تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا في حديثنا بالأمس كيف تم زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله تعالى عنها، وذلك عقب استئجارها له في تجارتها إلى الشام. وذكرنا كيف تم هذا الزواج، وكيف أن الله سبحانه وتعالى رزق النبي صلى الله عليه وسلم بأربع بنات، فعاش في سعادة وأمن في أهله ومع أهله وبناته. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في العمل في التجارة، فكان له شريك هو السائب بن أبي السائب. فوجد السائب بن أبي السائب في النبي صلى الله عليه وسلم شريكا نزيها آمنا، كما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في السائب بن أبي السائب شريكا أمينا نزيها. Donc nous avons évoqué la séance précédente le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fit suite donc à la mission que lui confia Khadija bint Khuwaylid pour les ventes de ses marchandises en Syrie. Et donc nous avons effectivement évoqué comment Khadija avait été impressionnée par les hautes qualités morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui l'a poussé à lui proposer indirectement le mariage. Et effectivement, nous avons vu que ce mariage a été célébré et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 4 filles de Khadija. Et donc, c'était donc le début d'une vie heureuse au sein de son foyer, et qu'il avait effectivement les qualités d'un époux exemplaire et d'un père exemplaire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué donc à travailler dans le commerce, et il avait un associé nommé As-Sa'ib ibn Abi As-Sa'ib, qui effectivement a trouvé dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam un partenaire fiable et honnête, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé en la personne de As-Sa'ib ibn Abi As-Sa'ib un partenaire fiable et honnête. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 من عمره تهدمت جدران الكعبة، تصدعت جدران الكعبة، فقرر وجهاء قريش أن يهدموها ليعيدوا بناءها ويسقفوها. فقرروا أن يوزعوا العمل بين قبائل قريش، كل قبيلة يعني تشتغل في بناء ناحية من الكعبة. فصاروا يعني يأتون بالحجر من الوادي ليبنوا به ما وكل إليهم من نواحي جدران الكعبة. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteignit l'âge de 35 ans, les murs de la Kaaba commencèrent à se démolir du fait que c'était un édifice qui avait été construit il y a plusieurs siècles. Donc les notables de Quraysh décidèrent de démolir et de reconstruire la Kaaba. Et pour cela, ils répartirent le travail entre les différentes tribus, donc chaque tribu étant chargée de construire une partie des murs. Et donc pour cela, ils allaient ramener donc les pierres de la vallée et des montagnes et les tailler afin de réaliser cette construction. بلغ البنيان موضع الحجر الأسود دب الشقاق بين قبائل قريش وكل قبيلة أرادت أن تنفرد بشرف وضع الحجر الأسود في موضعه في الركن الذي يكون فيه. ووصل بهم الأمر حتى كادوا أن يقتتلوا، ذلك أن بعض رؤساء القبائل وضع كفيه في جفنة من الدم، يعني إذانا ببدء القتال. فوقف بينهم شيخ يعني مسن حكيم، فقال: يا معشر قريش، فيما تفنون أنفسكم؟ حكموا أحدكم. فقالوا: من نحكم؟ فاقترح عليهم، قال:
حكموا أول رجل يدخل عليكم من هذا الباب من باب من هذا الباب من المسجد الحرام. Donc lorsque la construction atteignit le niveau de l'endroit où était placée la pierre noire, à ce moment-là, il y eut une discorde entre les différentes tribus de Quraysh, chaque tribu voulant bénéficier de l'honneur de placer elle-même la pierre noire. Et cette discorde fut tellement importante que certains chefs de tribu trempèrent leurs mains dans le sang, ce qui était le signal d'un combat armé proche. C'est-à-dire que c'était pour eux la dernière étape et donc ils allaient passer au combat armé. Et effectivement, la situation était très dangereuse et le combat allait avoir lieu si l'un des sages de Quraysh, Abu Umayya ibn al-Mughira, n'avait intervenu en leur disant « Ya Mashar Quraysh, aux gens de Quraysh, pourquoi voulez-vous vous exterminer ?» Disons, revenez à la raison. Donc, ils lui ont demandé son avis. Il leur a dit « Prenez pour arbitre le premier homme qui entrera par la porte de la mosquée que voici. » Et donc, ils attendèrent en retenant leur souffle de voir qui allait arbitrer. فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأوه قالوا الأمين رضينا بحكمه فلما أخبروه قال النبي صلى الله عليه وسلم هلم إلي ثوبا فجاءوه بالثوب فبسطه صلى الله عليه وسلم على الأرض ثم وضع عليه الحجر ثم قال لهم لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ورفعوه جميعا ففعلوا فلما رفعوه إلى موضع الحجر أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفتين ووضعه في موضعه وبذلك أنهى الله سبحانه وتعالى يعني عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الخلاف الذي كاد يفضي إلى قتال بين قبائل قريش. Donc, dans leur attente, ils virent le premier homme qui franchit la porte de la mosquée, ils virent que c'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsqu'ils le virent, ils dirent tous d'une même voix, « Al-Amin, le digne de confiance, nous acceptons sa médiation. » Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut informé, il leur demanda, il leur dit « Amenez-moi un morceau de tissu assez large. » Donc lorsqu'il lui a amené le morceau de tissu, il le plaça sur terre et il plaça la pierre noire au milieu du tissu et il ordonna aux différents chefs de tribu de prendre le tissu chacun par un côté, et de soulever en même temps le tissu afin de soulever la pierre noire jusqu'au niveau où elle devait être placée. Et donc lorsqu'ils s'exécutèrent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même prit la pierre noire et la plaça à l'endroit où elle devait être placée. Et ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala lui inspira cette solution qui permet d'éviter un massacre imminent. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرحلة من حياته حببت إليه العزلة فصار يخرج من مكة فيتحنث في غار بجبل حراء يمكث فيه أياما ولياليا ذوات العدد وأصبح يرى في منامه وقائع أحداثا قبل وقوعها وبدأ يسمع أصواتا من الشجر ومن الحجر يسلمون عليه فيلتفت فلا يرى أحدا فكان ذلك كله تهيئة له لما ينتظره من أمر عظيم قدره الله سبحانه وتعالى ليتم نوره على عباده وذلك ما سوف نبينه في لقائنا بالغد إن شاء الله تعالى. Donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra dans une période de sa vie où
il avait une tendance à s'isoler. Et il commença donc à s'isoler, à se recueillir dans une grotte dans le mont Hira, à peu près à 6 km de la Kaaba. Et il commença à avoir des rêves prémonitoires, c'est-à-dire qu'il voyait en rêve des événements qui se produisaient par la suite. Et il constata que les pierres et les arbres commençaient à s'adresser à lui en lui adressant le salut. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entendait le salut, mais il se retournait, il ne voyait personne. Et tous ces phénomènes-là étaient une introduction à la mission que lui réservait Allah subhanahu wa ta'ala afin d'éclairer le monde. Et c'est ce que nous allons détailler, inshallah ta'ala, dans la séance de demain. Qulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa as'alullah li wa lakum in yaj'alana mimman yattabi'u an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bisidqin wa mimman yuhibbuhu bisidqin. Walhamdulillahi rabbil alamin.